Salut à tous, une nouvelle sortie détection, toujours dans ce fameux champ que vous voyez, hein. Voilà. Et donc la vidéo n'est pas encore sortie, voici, elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie, et donc ce que je vais faire, je vais continuer à m'arranger, parce que j'ai bientôt fini ce champ, et puis après je ferai qui est au fond, tout au fond là-bas, là, vers là-bas, hein, puis on verra ce que ça va donner. Donc ici de toute façon je continue, et puis si ça donne rien, donc j'irai dans l'autre champ tout simplement, et puis on verra ce que ça donne, hein. Voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas il fait frisquer, il y a un peu de grêle, ils ont peut-être prévu de la pluie aussi aujourd'hui en même temps, donc on verra ce que ça donne. Donc sur ce, je rallume à la première trouvaille. Allez, tchuss. Bon, allez, premier objet, j'ai fait une boucle, un reste de boucle, ouais, vers là-bas, donc j'ai fait tout le tour. Et j'ai fait aussi une merdouille, et puis là, un premier bouton, hop là. Tout simple, hein, le bouton, hein. Rien d'exceptionnel, hein. Sans motif particulier, avec la petite attache. Allez, donc je continue et à la prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, première monnaie. Et regardez, j'ai même pas besoin de creuser. Hein. Elle est juste ici. Hop, si vous pouvez la voir. Voilà, à même le sol. Alors je sais pas si ça va prendre. Ça. Ouais, c'est une monnaie. C'est ça. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il y aura des restes sur cette monnaie? Je sais pas. À part la monnaie on a lu, celle-là, franchement, 1948, un état magnifique, exceptionnel, exceptionnel. Ouais, c'est déjà la troisième sabot. Ouais, je pense que c'est du et des sols à l'écu, hein. Voilà, des centimes d'écu de notre bon Louis XVI. Voilà. Écoutez, on verra ça au nettoyage. Il y a peut-être des restes, hein. Peut-être que je me trompe, hein. C'est peut-être pas une loulou, mais si, c'est peut-être ça, ouais. Allez. Peut-être une loulou. Allez, je vois quelques petits restes, je sais pas comment vous voyez ici, vous voyez comme moi. Hein. Hein, là, il y a le petit blason, là. Après, de l'autre côté, je sais pas s'il y a la tête, mais... Ouais, il y a un petit reste, on voit. C'est petit, hein. Mais ça fait plaisir. Allez, je ne désespère pas, je continue. Allez, tchuss. Allez, nouvel objet très très sympa. Après la monnaie qui était quoi? Ouais, je crois juste là, tout cassé. Ouais, ici là. Ici un objet super sympa, fort sympathique. Regardez. Hop, 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 hop. Alors, il y a des petits décors. C'est peut-être une applique de petite applique de meubles, hein, je suppose. Vous voyez. Voilà, avec des petits décors dessus, des petites fleurs, c'est joli. Ou alors peut-être un reste de pied, je sais pas. On verra ça, on va le taper, on verra ça au nettoyage. Hein. Voilà. Soit à l'intérieur il n'y a rien, ça c'est sûr. Ah, ça m'a l'air joli avec des petites fleurs là comme ça. Je pense que ça reste d'applique de meubles. Hein. Voilà, c'est joli. C'est cool, ça fait plaisir. Allez, je continue. Tchuss. Allez, une nouvelle monnaie après l'applique de meubles qui était juste là-bas. Hein. Et ici, une nouvelle monnaie. Hop, j'ai sorti de là, qui était à quoi, 10 mètres du sol. Voilà, et c'est de nouveau, je suppose, une royale. Royal, voilà les fameux sols, mais bien ça vaut, hein. En général on les sort pas, on les sort pas en bon état ces monnaies, c'est très très rare, hein. C'est très très rare, voilà. En tout cas celle-là elle est bien bien rincée, voilà. Allez, je ne désespère pas et je rallume ma prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, petit objet sympathique après
monnaie qui était juste là. Hein. Voilà, il y a ce petit objet. Aucune idée. J'ai fait un petit cercle qui ressemble à cet objet-là. Au tout début. Juste coupé. Voilà, et là j'en ai aucune idée. Une petite pince à cheveux ou je sais pas. Voilà. Bon, allez, j'arrive à ma prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle trouvaille après le. Je pense une pince à cheveux ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'était. Là, regardez. Avec les initiales MH. Alors, je sais pas si c'est une déco de meuble. En tout cas, là, c'est plat. Vous voyez. Là c'est cassé de l'autre côté. Voilà. Bon, ça c'est sûr, c'est pas un gros lot, ça c'est sûr. Je pense des codes de meubles hein, avec les initiales MH. Voilà. Ou HW, ça dépend comment on va le lire. Hein. Voilà. Là, je pense MH. Avec des cornes de serre ici. Comme vous pouvez voir. Voilà. Joli. Hein. Dommage que c'est cassé. Bon allez, je continue en tout cas, ça va, je suis content. Dommage qu'il y ait du vent, il y a un petit vent frais. Quand on l'a de dos, c'est agréable, mais de face, ça picote encore un peu. Allez, je continue à la prochaine trouvaille, tchuss. Allez, enfin une belle monnaie après l'objet qui était juste là-bas. Juste là, et regardez, poup, voilà, c'est encore dans la terre, vous voyez, juste ici. Alors, est-ce que c'est un bouton? Est-ce que non, c'est une monnaie. Ah, ah oui. Et hop là. On va la sortir. Oula, ça promet. Je sens la savo là. Je sens la savonus. Ah ouais, à mon avis. Ah, je crois qu'il y aura peut-être. Ah non, il y aura peut-être des restes. Ouais. Vous voyez comme moi, il y aura peut-être des restes. La frotter sur juste pour voir ce qu'on a là, hein. Là. Écoutez, coup d'idée. Hein. Ouais, dommage. Ouais, de nouveau une savo. Hein. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. On l'a un peu plus grande par rapport au sol. Hein. Voilà. Allez. Je rallume ma prochaine trouvaille, tchuss. Nouvelle trouvaille pour moi après la monnaie qui était juste là-bas. Donc là, ici, à même le sol, regardez. Voilà. Un petit bouton. Hop là. Voilà. Oh, rien d'exceptionnel. Hein. Voilà. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille pour moi, nouvelle monnaie du moins. En fin de compte, là j'avais une cible. Et en fin de compte, ben, j'ai raté une autre cible qui était juste là. Donc, bon, ça c'est sûr, hein, le balayage ne peut pas être parfait. Et en fin de compte, c'était une monnaie. Regardez, elle est là. Hop, 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 voilà. On va découvrir ensemble ce qu'on a là. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une Morlon. Super, c'est une 50 centimes. Morlon. 1900, hop là, je regarde comme vous, hein. 1946. Mais elle a l'air un peu attaquée hein, de ce côté-là. De ce côté-ci. Hop. Et là aussi. Un peu plus attaquée par rapport à la 1 franc. Voilà. Oh, c'est cool. Hein. Allez, je continue. Je pense encore faire encore une petite heure. Une heure et demie. Et puis on fera le bilan à la voiture. Et puis voilà. Allez, tchuss. Nouvelle trouvaille après la 50 centimes Morlon hein, qui était juste là-bas. J'avais fait un reste de boucle en aluminium. Un ou deux boutons que je n'ai pas filmé. Et là j'ai une nouvelle cible, regardez, c'est ici. Hop. Ici. Et c'est un dé à coudre. Voilà. Ouais, pas très vieux. Celui-ci. Je dirais. Fin 19e, début 20e. Voilà.
voire même peut-être milieu 20e. Dommage, il y a un trou ici, il est cassé. Voilà. Donc, je vais continuer encore, encore un petit peu. Et puis après, on fera le bilan des trouvailles à la voiture. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Alors voilà, nouvelle monnaie. Après encore, ouais, je crois que j'ai fait encore 2-3 boutons. Hein. J'ai fait encore 2-3 boutons. Et là, j'ai une monnaie, regardez. Elle m'attendait. Elle est juste ici. Elle est sur la tranche. Voilà. Et on va voir ce que c'est. Ah non, même pas. Ah, c'est encore des boutons. Et j'arrête pas de tirer des boutons. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de tirer des boutons. Je crois que c'est le 3e ou 4e. Voilà. La guerre des boutons 2, le retour. Voilà. Avec quelques belles merdouilles et trouvailles. Bon, allez. Ah, je rallume. D'ici la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, une nouvelle trouvaille. Ici, regardez. Hop. On va découvrir ensemble ce que c'est. Ici un bouton, un anneau. Hop. C'est un anneau. Ok. Là, ça fait déjà le 3e ou 4e que je fais, je crois, en anneau. Je crois. Est-ce que c'est une bague, un anneau? Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, c'est bizarre. Attendez. Hop là. Ah non, c'est un anneau. C'est ça, un anneau. Ok. Rien de spécial. Voilà. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Allez. Voilà, un petit fer à bœuf. Donc celui-là. Les 5 heures de détection sont passées. Voilà, ça fait à peu près 5 heures. J'ai bien terminé ce champ. Hein. Voilà, je l'ai bien fait, c'était nickel. Ouais, je pense que j'ai bien ratissé. Voilà, j'ai bien pris mon temps. Au total, ça aura fait, je crois, 14 heures de détection sur ce champ. Donc c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Donc après, voilà, donc là, les merdouilles. Hop là. Donc, il y a pas mal. Hein. Il y a pas mal, c'est pas énorme. Quand je dis il y a pas mal, non, c'est faux. C'est pas énorme. Voilà, donc j'ai fait de la douille, hein. Pas mal. Reste de capuchon de valve. Hein. Voilà, des déchets. Un reste, je pense, de chaussures. Ou alors c'est un fer. Ça doit être un fer à bœuf, peut-être aussi. Je pense que c'est aussi un morceau de fer à bœuf. Voilà. Ça, je sais pas. Aucune idée. Voilà, ça pareil, aucune idée. Après, le fameux fer à bœuf. Et donc, pour les trouvailles, donc c'est pas mal. Hein. Donc j'ai fait deux boucles, deux morceaux de boucle, hein, c'est dommage. Celle-ci, bon, c'est 20e. Alors soit c'est une boucle, ou soit je sais pas, ou ça c'est une déco. Décoration, peut-être, mais j'ai aucune idée. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. C'est pas de refus. Voilà. Après, les boutons, bah, j'en ai fait pas mal. Hein. Un bouton en tombac. Dommage, il était cassé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boutons. Après, 4 anneaux. Après, cet objet, super sympa. Donc, je sais pas si c'est MH ou HW. Aucune idée. Vous voyez. Donc, je pense HW peut-être. Hein. Dites-le moi aussi hein, dans les commentaires. Hein, si vous avez une idée. Voilà.
Après, qu'est-ce qu'on avait? On avait cette applique de meubles. Hein. Voilà. Petite applique de meubles avec une petite déco sympa. Rien d'exceptionnel. Hein. Cet agrafe de cheveux, je suppose. Hein. C'est tout petit. Voilà. Et ça, c'était le premier objet que j'avais fait. Qui ressemblait étrangement à cette pièce. Voilà. Après, cet objet là, pareil, que je n'ai pas fumé. Quand je dis cet objet, c'est un reste de bretelles. De bretelles, ouais, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. De bretelles. Avec les petits picots là. Il y a une petite déco sympa en plus dessus. Vous voyez. C'est joli. C'est joli. Je sais plus quel nom ça porte. Bon, en tout cas, c'est ce qui va sur les bretelles. Hein. Voilà, après le dé à coudre. Dommage, un petit trou. Il est écrasé, cassé. Voilà, il y a un gros trou et puis il est écrasé. Voilà, et puis les monnaies. Donc là, j'ai la 50 centimes. Morlon. Hein. 1946, il me semble. Ça, c'est. Pareil, un sol, hein, je pense. Hein. Le sol à l'écu. Hein. Voilà. Louis XV ou Louis XVI. Hein. Voilà, celui-ci, c'est pareil. C'est aussi du sol. Puis celui-ci, ben, ça doit être pareil. Hein. Je pense pas que c'est du Napo. Hein. Voilà. En tout cas, c'est quasiment ça vaut. Hein. Cette monnaie, à part cette monnaie, la 50 centimes, là. Bon, elle a pris un coup hein, quand même. Hein. On verra si au nettoyage, mais en tout cas, elle est piquée, hein, ça c'est sûr. Elle est piquée. Voilà. Donc, sur ce, ben, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Hein. Comme d'habitude, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter aussi. C'est cool. Et puis voilà. Et puis, je vous dis à une prochaine sortie détection. Voilà. Et puis, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc le temps ça va, c'était cool aujourd'hui, il faisait bon, j'ai eu un peu de grêle ce matin, quand je suis arrivé à 9h, j'ai eu un peu de grêle, mais après ça s'est calmé, il y avait surtout un petit vent frais, mais bon ça va là, maintenant il fait bon. Hein. Allez, donc sur ce, je vous remercie, et puis je vous dis à une prochaine sortie, voilà, allez, tchuss.